messieurs, offrez-nous une belle rencontre, un beau match. Mais bon, non, c'est une très belle victoire. Bon, on a très bien joué. Hein. On a peut-être un peu mal à marquer, mais en tout cas, c'est une très belle victoire et très importante. Ouais, je pense qu'on est resté mature tout le match. On a été patient. Je pense qu'on pouvait aussi marquer un but ou deux en première mi-temps. On n'a pas su le faire et malgré ça, on est resté calme en deuxième. On a repris comme on a commencé en première. Donc voilà, c'est une victoire, je pense, méritée, sans trop de discussion. Sans l'Ambrecht quand même, mais sans quelques autres en plus. Hein. Ouais, mais ça on sait bien, si on veut être champion, ce sera pas à 11 ou à 12, ce sera à 20-22. Tout le noyau est nécessaire, tous les joueurs sont là pour apporter quelque chose et chacun le fait. Donc qu'un soit pas là, son absence est comblée par un autre, donc tout va bien pour ça. Et pour toi aussi, à l'arrière droit, hein, c'était pas ta place habituelle, ça, mais ça va de mieux en mieux. Ouais, ça va. Écoute, je joue avec mes qualités, j'essaye pas de trop flamber, j'aurais peut-être pu marquer un petit but aujourd'hui. Ouais, c'est pas encore mon truc donc. Alors voilà, toujours invaincu, il reste un tout petit effort à fournir dimanche prochain à Solières, ce serait vraiment extraordinaire. Hein. Ouais, c'est un gros effort. voilà, on fait 2-2 à l'aller donc. On a une revanche à prendre. Et si on veut jouer un top match à la reprise, il faudra prendre les 3 points dimanche prochain. Donc il reste une semaine pour tout donner et puis après on pourra manger la dinde à Noël et boire un peu de champagne. Eh bien, ok, ça va, allez, ciao.